Monsieur le rapporteur, nous sommes ici pour mettre des règles, donc mettons-les. Mettons des règles qui permettent à l'argent public, qui a quand même beaucoup servi à 100% des entreprises du CAC 40, qui ont reçu des aides publiques, pour qu'elles servent pas à une relance du monde d'avant, comme ce que vous êtes en train de faire en vérité, mais à entamer la nécessaire bifurcation écologique et solidaire, qui sera également pourvoyeuse d'emplois, mais d'emplois qui soient conformes à ce que nous nous faisons de la solidarité, du partage des richesses. Et puis surtout, nous sommes quand même dans un débat en plein COP26, où on fait le constat que, y compris la part que les entreprises ont aujourd'hui dans le dérèglement climatique, n'est pas équivalent à la part qu'elles mettent dans l'adaptation au dérèglement climatique. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait justement des règles contraignantes de l'État pour faire en sorte que ces entreprises participent à l'adaptation de notre société face à cette situation que même le président de la République française est obligé de reconnaître comme étant extrêmement grave. Et donc là, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est notre responsabilité d'établir, oui, des règles plus contraignantes, parce que nous sommes loin, très très loin du compte. Et si vous relancez comme le monde d'avant, eh bien, on va tout droit dans le mur. Et c'est notre responsabilité d'éviter d'aller tout droit dans le mur, que ce soit vrai, y compris pour les entreprises, parce que aujourd'hui, cette marche à la concurrence et à la croissance sans fin est impossible dans un monde où les ressources sont finies. Voilà pourquoi il faut adopter ces amendements. Madame Obono. Oui, nous souhaitons effectivement conditionner les aides de cette mission au plan de relance à la publication d'un reporting pays par pays, comme le propose l'association CCFD Terre Solidaire. L'objectif de cette mesure de transparence fiscale est d'exclure des bénéfices des aides d'État les entreprises dont les filiales ou établissements sont dans des États ou territoires dits non coopératifs en matière fiscale. Je rappelle qu'après les révélations des Pandora Papers, le consortium international des journalistes d'investigation a établi des liens entre des actifs offshore et 336 responsables politiques de premier plan issus de 90 pays différents qui ont dissimulé en tout 11 300 milliards de dollars dans des sociétés offshore par l'évasion et la fraude fiscale. Quelques mois auparavant, Le Monde révélait qu'en coulisses, la France cherchait à affaiblir la directive européenne prévue pour 2022-2023 sur la transparence fiscale, en essayant notamment d'introduire la possibilité pour les entreprises visées de différer de 6 ans leur déclaration. La note de Bercy présentant ce projet était issue d'une consultation de plusieurs lobbies et a été construite sur la base d'une note rédigée par le MEDEF. De notre point de vue, cela n'a que trop duré. La liste des États, des territoires non coopératifs établis par l'Union européenne et qui est généralement prise en compte comme référence pour les politiques de transparence ne tient pas compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux établis les plus utilisés. L'étude de l'économiste Gabriel Zucman indiquait que 80% de l'évasion fiscale des entreprises en France opérait via d'autres pays de l'Union européenne. Et nous pensons donc qu'il est nécessaire d'avoir un reporting pays par pays qui permettrait de conditionner les aides aux entreprises qui ne seraient pas coopératives. Je vous remercie.